Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu An Evil Existence live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Donc, les frères jumeaux Jeffrey et Kim. Ils avaient 10 ans à peu près. Ont tué un enseignant, puis ils disent qu'il en aurait tué d'autres. Il semblerait qu'il en aurait tué jusqu'à 8 personnes. Donc ici, le créateur d'un site, Lisa et son boyfriend, a décidé de faire une recherche sur eux. Il a conduit 9 heures pour se rendre là. The last known address of the Hartley twins. And just to prove it to you guys, come over here and let me show you this old post box. That says the Hartley household. I definitely say we're at the right address. So we're gonna go and have a look around. Bel accueil. Plus de James. C'est sûr, mais je ne rentre pas, je m'en vais. Je prends le char, j'appelle la police.
Bon, il y a un auto-saving qui vient de se faire. Bon. La clé pour le garage. Il est débordé. Un marteau. Bon. Où sont ces pilules? Prends-les puis couche-toi.
Salut Jess, comment tu vas, ma belle? Ça, il doit bien beau comparé aux armoires. Si c'est un an, on dirait que le menton va à la hauteur des armoires. Hein, la toilette du turbo. Il y a plus qu'un. Robin.
Manque un morceau de puzzle. Une clé là. Ou c'est pour attacher les rideaux, ça? Là, une clé. Ah non, c'est ce marde-là qui est là. Soit je suis terriblement aveugle. Non, j'ai pour dire à cette heure maintenant. Ça fait de quoi? Ah, c'est ça. Ouais, les pilules avec une drink. Je sais, tu peux pas me voir. Oh, le puzzle. Est-ce qu'on a vu une clé avec une tête de mort? Ah, et en haut! Ben, pas vu une tête de mort, mais on sait qu'il y a une porte de barrée en haut. Voyons. Débarré. Le code, c'est 1918. 1918. Merci, Tobo.
J'espère qu'il n'y a pas freezé là. Oh non! On est revenu. Je pensais stresser. Ah ben. Oh, ok. Ça gardait pas bien. Un 9 à un 8, allons-y. Allez, c'est OK. Accepté. Cent dix ans, tabarnak. Combien d'années qui est mort? Ah, tabarnak. Hey, t'es toujours avec une femme, esti? Toi? Moi, j'ai rentré le couteau assez creux dans la main, elle bougera plus d'être là. J'ai cassé les deux mains à coups de marteau. J'y donnerai sa main, elle tiendra pas de nouveau le marteau, ça c'est certain. Ça je croyais, j'avais pour dire, ça va-tu m'ouvrir cette porte-là, métal? Tiens, le marteau. Porte bien barrée. Ça,
si Eric s'amuse avec ça. Ouais, ça c'est des médicaments là. Ah, tu peux peser pour courir en tenant par en avant. Deux plus cinq, sept. C'est pas là où j'étais? Ça, c'est comme si je vais me faire courir après. Là. Trouver un outil pour ouvrir la boîte. Cool. Annabelle Rowe, tell to my family que je les aime. Prends ça en os, puis varge dans la porte, esti. Plus fait 10. Ah, ma petite calice de pute. Là. Welcome, bienvenue en enfer. Ouais. Des calices, hein, c'est pas drôle. Thank you.
1, 4. Ah, peux-tu écrire ça? Vert 1, jaune 4. Mettre une lettre, là. J4V. Ouais, J4V1. B3. Tu l'as, Turbo? Écris B3 J4. Tiens, c'est là. Et V1. B3, J4, V1, J4, c'est ça, bon, merci. B1, c'est ça. Elle a sorti, elle, tabarnak. Mommy always love you. Ah, tiens. R7. Ouais, R7.
Donc, c'était bleu. J'ai pas gardé comme il faut. Non, bleu, c'est 1. Non, c'est pas rapport. 3-1. Chris, c'est orange. Y a pas de rouge là-dedans. Ah, c'est parce que je me mettais dessus. 3-1-7-4. Bon, ça va bien. Trois, un, sept, quatre. Trois, un, sept, quatre. Trois, un, sept, quatre. Voilà. C'est quoi ce qu'on va faire avec ça? Oh! On peut lui donner des coups de hache si tu veux. C'est pas ça que je pense à faire avec. Non, tu peux pas te faire mordre, décalisse! Ah, yes! Turn me on. Mais tu l'as besoin, la hache. Clock. Une grosse boîte, mettre ça dedans. J'ai encore la hache au moins. Une plage, j'ai pas vu.
Open the drawer. C'est quoi un drawer? Peut-être dans la traduction. Hein? Un tiroir. Si bon, je savais pas c'était ça. Tu veux un tiroir que t'as pas ouvert quelque part? Sans, j'ai vu ça, mais. Ok. Ah oui, on a vu ça, ce bord site. Là. Ouvert le coffre. À quelle place qu'on avait un coffre? Là, je suis plus sûr. Je pourrais retourner en arrière, on va rester par l'avant pour tout de suite. Et puis là, il y a la hache dans le cou. Tabarnak de calice de crise que j'ai cru c'était elle. Ah, la musique, vous m'écœurez. Ah, c'est ouvert. Ah, elle est venue par ici en plus.
Bon, un coffre. Un coffre dans le style un coffre-fort. Je la tue. Ah, tabarnak, elle est où? Et toi? Tu me niaises-tu? Chris, ça vient d'avoir un coup de hache dans le cou. Me semble une balle, hostie. Ah oui, reload, si. Hein, ma petite charrue. Ah ouais. Ah bah là. Hostie. Ah ouais, tire-le! Encore?
Oh my God. Where am I? Let me out! Help! Let me out! Oh my God! Attends, plus rien, ok. Il a mis de l'essence. Du propane, tabarnak, ouais, il voulait faire péter. Run, Forrest! Run! Je tourne à droite, I guess. Une chance sur deux. Oh my God. Where am I? Let me out! Help! Let me out! Oh my God! Ça a bien décollé ce fois-là, ça. Tabarnak, calice. Chris. Je pense qu'elle se tournait tout seul tantôt. Elle se tourne pas tout seul. Là. Let me up. Oh my God. Where am I? Let me out! Help! Let me out! Oh my God! Yes. Je comprends pas, hostie, elle tourne. Elle se tourne tout seule finalement.
Oh my God. Where am I? Let me out! Help! Let me out! Oh my God! Mais quand on est sorti de là, on va arrêter, ben il reste encore comme 20 minutes. Je vais tout travailler demain. C'était droite. On peut arrêter là si tu veux, c'est comme tu veux. Oh my God. Where am I? Let me out. Help. Let me out. Oh my God. Ouais, je vais sortir de là, j'ai appuyé pause. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu An Evil Existence Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!